Gabin disait un bon film, c'est un bon scénario, un bon scénario, un bon scénario. Pour faire un film, à l'époque où on était en pellicule, il fallait développer le film. Et aujourd'hui, il faut se développer soi-même pour pouvoir aller raconter des histoires. Savoir faire de la narration, savoir compter, savoir structurer un récit, c'est un pouvoir. Connaître le récit, c'est se connaître soi-même. L'écriture, c'est vraiment 80% du don, 20% de la méthode. Mais sans la méthode, ton don, c'est vraiment rien. Comment passer d'une idée à un scénario, à un film qui va toucher le public? T'es avec ton idée, ton intention, et tu vas devoir faire jaillir de toi-même un script, un scénario, quelque chose. Être capable, dans n'importe quelle circonstance, de transmettre une intention, de capter l'attention de quelqu'un, c'est un art tellement utile. Je ne choisis aucun acteur qui n'est pas capable d'improviser. On va, dans ce cours, vous donner des méthodes reproductibles, utilisables en situation pour pouvoir transmettre un récit, convaincre quelqu'un. Être réalisateur, c'est avoir une intention claire qu'on va être capable de défendre. Et défendre, ça ne veut pas forcément dire tout le temps s'opposer aux nouvelles idées. Un bon scénario est un scénario auquel on ne peut plus rien enlever. Vous devez contrarier vos personnages, juste ce qu'il faut. Se dire quel est mon élément déclencheur. Le pouvoir de la narration, c'est le pouvoir qu'on vous développe dans ce cours.